Bonjour à tous, c'est DVD. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce qu'on m'entend dans le stream? Normalement, oui. Normalement, ça devrait être bon. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, moi, ça fonctionne bien. Je vais enlever ces lunettes Microsoft. Je vais mettre celles-ci. Celles-ci sont mieux, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, donc. Aujourd'hui, on va faire du Super Street, bien entendu, avec quelques petites surprises, notamment, n'est-ce pas? On va faire quelques petits jeux, vite fait, hein. Je vais vous montrer quelques petits jeux sympas, vous allez voir. Alors attendez, hop, ce que je devais prendre à 17h, je m'y prends un petit peu à l'avance là, mais c'est pas grave. Alors, on va faire vite fait, hein, un tout petit jeu qui n'a strictement rien à voir avec Street Fighter. On jouera à Street juste après. On va tester en fait un jeu sympa, vous allez voir. Attendez, je vais chercher un petit peu dans ma liste de jeux. Alors, donc, on va regarder Rapidos. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire? Allez, on va faire un petit jeu fun. On va me faire quoi? On va faire. Alors, c'est des jeux sur iOS, hein, bien sûr. Qu'on soit d'accord. Alors, je vais jouer à celui-ci. Alors, on va mettre la bonne scène parce que du coup, la scène, c'est pas la même. Attendez, ne bougez pas. Tac, tac, tac. Bah, merci à le report, on va le mettre à 40 pour bien que je puisse voir. Voilà, là, j'ai vu. Voilà. Alors, est-ce que le son du jeu est pas trop fort? Dites-moi. Est-ce que c'est bon le son du jeu? Pas trop fort? Pas trop fort. On va pousser le coca. Dites-moi tout. Donc là, ça devrait être mieux normalement. Est-ce que là, c'est bon? Ah, je vais mettre le casque d'ailleurs, pour avoir le son. Allez, merci, hein. Merci pour les retours, c'est cool. Alors, donc, c'est quoi ce jeu? Vous allez voir, c'est un jeu sur iPad. Un jeu que j'ai pas mal squatté. Alors, c'est un jeu où c'est que vous incarnez en fait des samouraïs et vous devez un peu tout dégommer. Alors attendez, vous allez voir. Tac, 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 un peu fort le jeu. Par contre, pour le baisser, le jeu, c'est pas facile. Je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que ça doit être carrément dans XSplit, ici, je pense. Là, est-ce que c'est bon là? Normalement, ça devrait être bon en théorie. Hein. Alors donc, on va faire suivant. La barre d'âme, elle est remplie. Connexion, je m'en fous de ça, j'ai pas envie de jouer. Allez. Donc, on va prendre. Ah, c'est le Ronin obligatoire. On va prendre les petits persos pourris là. Technique secrète. Là, au niveau des. Alors, je vais vous expliquer un petit peu hein, rapido si vous connaissez pas. Donc, là, le Ronin est obligatoire. Vous avez le choix entre le samouraï, la Kunoichi, le Ronin, la sorcière. Et Daimyo. Alors en fait le Ronin est obligatoire, hein, il y a marqué requis, vous n'avez pas le choix. Donc là on fait suivant. Au niveau des alliés, pareil, hein, on peut choisir à la base plein de personnages qui sont là mais ils sont verrouillés aujourd'hui pour la mission spéciale. On a donc le fermier qui est obligatoire, le guerrier au sabre qui est donc obligatoire. Ce sont des petites unités hein, qui font pas très 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 mal. On a aussi le samouraï Panzer qui lui est un peu plus fort. Mais voilà. Alors c'est un free-to-play effectivement. Donc maintenant on a Frosty, l'archer. Lui par contre est super fat parce qu'il ralentit les ennemis. Une unité assez importante. Et puis donc bah, les voici, ils sont en bas dans votre écran, la barre des unités. Après au niveau des sorts c'est pareil, il y en a plein de coups. On a les trois premiers qui sont obligatoires. Alors le léthargie, hein, c'est le truc pour ralentir le jeu pendant quelques secondes. C'est Ronin. C'est Ronin, d'accord. Moi j'appelle Ronin, excusez-moi. Ensuite il y a quoi? Le coup de tonnerre et le vent divin. Alors, au niveau des sortilèges, je vais les garder. Tous mes sortilèges, je les garde principalement pour multijoueur et pour le mode solo. Allez, on va faire jouer, on n'en prend pas, c'est pas la peine. Let's go! Allez, c'est parti, on va directement améliorer Ronin. Voilà. Allez. Un ennemi sans visage, alors donc on a nos unités qui sont déjà mis en place, prêts à défendre, on a un archer qui est là-haut, on a le gong. Alors Ronin est complètement
complètement moisi niveau niveau skill. J'ai pas buffé, hein. Je suis vraiment au, le plus bas de gamme. Ah, attention, on va en fait, le but c'est vraiment d'empêcher les ennemis d'avancer. Je vais pouvoir en fait laisser ma barre remonter tout doucement. En fait, c'est la même technique que le Kunoichi, que la Kunoichi, j'espère que je prononce bien. Allez, le vent divin, on repousse tout le monde. Allez, on recule, toujours et encore. On va commencer à sortir un peu les unités, ils se font ralentir. Voilà. Allez, un petit coup de tonnerre. Attention à l'archi qui fait très mal. On va reculer encore une fois, un coup d'étargie. Voilà, pendant ce temps-là, ils vont se faire tuer par, sur le pont. Voilà, on a réussi à obtenir le niveau 4 très rapidement. Et du coup, maintenant, on va pouvoir invoquer des unités. Alors, on va prendre principalement des samouraïs panzer, bien sûr, et des archers. On va cliquer directement sur le Frost Archer, ça ira plus vite. Alors, encore une fois, continue. Un coup de tonnerre, le vent du vin. Et on avance toujours et encore. Oh, ça a planté! Le jeu a planté, lol! Le jeu a planté en direct. Fuck! Jeu de merde! Jeu de merde! Voilà, je me suis fait chier à lancer le jeu. Et il a planté fuck! Le mind game à la Zob. C'est en direct sur Eugaming, bien sûr. Bon, le défi du jour, je vais recommencer. Pourquoi elle a planté ce iPad trafiqué là, à la pisse? Bon, on va recommencer. Si ça marche pas, on laisse tomber. Ça me ferait bien chier quand même que ça marche pas. Par contre là, ah, là je vois mieux quand même. C'est un peu galère avec les lunettes Xbox. Bon, du coup, on va changer un petit peu. On va prendre les petits fermiers. Voilà, on va commencer à aller chercher un petit peu. La baston, directement le coup de tonnerre. Hein. Voilà qui est fait. On va reculer un tout petit peu. Alors en fait, il absorbe beaucoup de dégâts. C'est le tank hein, du jeu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on le frappe, eh ben, il renvoie une partie en fait des dommages. Et du coup, bien sûr, eh ben, c'est assez important. Voilà, encore une fois, on améliore en même temps, on avance. Un petit coup d'étargie. On sort un Panzer, comment dirais-je, un Frost Archer. Et on recule. Alors, vous voyez, en fait, il a une sorte d'icône sur la tête. En fait, c'est les buffers. Hein. C'est eux, les buffers. Il faut les tuer rapidement. En fait, eux, ils sont là pour comment dirais-je, pour donner de l'endurance et de la puissance d'attaque aux unités. Il faut les tuer rapidos. Encore une fois, le vent divin. Attention, gros. Gros, je sais pas ce que c'est que ça, au gros golem à la con là. Allez, un coup d'étargie. Et on recule toujours et encore. Encore un coup de tonnerre. On améliore au level 4. Et là, c'est là que tout va se corser, bien sûr. Hein, parce que maintenant, évidemment, ils sont sous le buff. Voilà, je clignote. Faut faire attention, faut reculer. On a vu, mon archer va mourir, ce qui est le cas maintenant. Allez, un coup de vent divin. J'ai plus de PV. On va reculer. Un petit coup d'étargie. On attend, on récupère un peu sa life. La life qui est très, 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 très lente à récupérer quand on joue ce personnage-là. Le Ronin. Ronin. Allez, on va prendre le Panzer Samouraï. Et les archers. Allez, un coup de tonnerre. On en a tué un derrière. Encore un Panzer Samouraï. Le vent divin. On va passer derrière. Hop, on est passé ici. Un peu d'énergie. Pour l'instant, il n'y a plus personne derrière, justement. C'est bon. Le Frost Archer. Alors, vous voyez, en fait, en bas, hein, la barre de commandement est au niveau 58-60 maintenant. C'est ce qui me sert en fait à acheter des unités. Allez, il y a le buffer qui est derrière. En coup de tonnerre, ils sont tous morts. C'est ça l'intérêt en fait de passer derrière, c'est de tuer les buffers. C'est assez important. Et là, pour l'instant, il va se faire DPS. Il est ralenti à cause des Frost Archers. Donc là, on continue un petit peu notre cavalcade sur lui. On avance. Et on balance le vent divin. Et on continue à avancer. Et le coup de tonnerre. Boum! Ils sont tous morts. On repart en arrière. Un petit coup de fermier. Un petit coup de Frost Archer. Et ça gratte et ça gratte et ça gratte, bien sûr. Hein. On va pas les lâcher. Pour l'instant, le boss qui est en train de prendre cher. On est déjà à 78%. La mission est quasiment terminée. Hein. Parce qu'évidemment, à part peut-être 2-3 unités derrière, il n'y aura pas grand-chose. Et la léthargie, ça fait mouche.
ils sont ralentis, ils vont se prendre les coups ici, les coups de. Comment dirais-je, les coups de sabre de mon héros. Et hop, le coup de tonnerre, tous morts, on va reculer, le vent divin, il y a un autre buffer derrière. Hein. Faut le tuer rapidement. Et c'est lui le buffer, encore un coup peut-être. Oh putain, en plus j'ai plus de vie. On va prendre un sushi pour être sûr. Alors le sushi c'est ce qui est en haut à droite, hein. Il a même fait de récupérer toute sa barre. Un petit peu d'énergie. Et là ça va être terminé, il va mourir le buffer, il va mourir. Boum, le coup de tonnerre qui fait mouche. Là le boss qui va tomber avec les Panzer Samurai hein, qui sont en train de faire office de tank avec les Frost lâchés derrière. Ça va être facile, ça va être facile. Et encore un vent divin qui fait des dommages et qui vont taper ici les gros golems. Le coup de tonnerre et c'est terminé, on a gagné. Voilà. Voilà le pour jeu du swag. D'ailleurs je vais mettre une lunette swag. Et j'ai gagné un cadeau. Allez s'il vous plaît, j'espère que ça va être des diamants. Des rubis, des gemmes. Ah, une sushi, rien à foutre. Ma barre est remplie. En fait, je pourrais jouer contre les joueurs, mais j'ai pas la wifi en fait sur ma tablette, c'est dommage. Allez, suivant. On va donc faire l'histoire seule. Alors, on est à la vague 153. Ah putain, j'aime pas lui, il est relou. Il n'y en a pas un autre après? Ah non, après c'est la vague... Bon, j'ai pas le choix de prendre le... Je prends le samouraï. Alors au niveau de la compo, ça en fait c'est la compo que j'utilise quand je joue la Kunoichi. Mais là pour l'instant c'est pas elle. Mais je pense que je vais quand même la garder. On va prendre... Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Oh, je vais quand même la garder. On va prendre l'éthargie, on va prendre quoi d'autre? Qu'est-ce qui stun? Il y a la bombe, mais la bombe je l'ai pas parce que c'est propre au héros. Bon, on va laisser ça comme ça. J'espère que je pourrai prendre le héros que j'ai buffé. On a pris le samouraï, c'est le héros basique. Allez, c'est parti, lui, l'aptitude de pouvoir prendre 5 unités en bas. Ça fait beaucoup, hein. Alors le but, c'est bien évidemment de DPS les mobs qui arrivent et de reculer pour avoir un maximum de commandement. Et là, pour l'instant, c'est ce qui est bien parti. Ils ont déjà un buff sur la tête, hein. Le buffer est juste derrière. Et là, on va reculer toujours et encore. On met un coup d'étargie et on avance rapidement pour passer derrière. On va commencer à DPS. Ah, ils sont beaucoup plus costauds que tout à l'heure. Ils vont faire mal, faut reculer, hein, parce que s'ils arrivent dans ma porte, ils vont faire extrêmement mal. On va prendre le chariot qui va exploser au contact, évidemment. De toute façon, ça arrive, il arrive le chariot, il arrive. Ah, ils ont pris cher, hein. Ils ont tous pris cher. Et ils sont pas morts. Et ils avancent, hein. Un coup d'éthargie. Alors que le gong, comment dirais-je, la cloche a sonné. À chaque fois que la cloche sonne, c'est... En fait, c'est le petit PNJ, là, regardez, écoute bien. Boum. Voilà, un coup de gong de cloche. Et bah, dès que la cloche sonne, en fait, et bah, les personnages sont automatiquement stun. Donc il faut jouer, en fait, défensivement en fonction de ça. Et là, on va avancer encore un son de... Encore un gong de cloche. Et voilà, et la barre de commandement qui est quasi full. Elle est quasiment full. Voilà. Alors, là, c'est parti. On va pouvoir commencer à y aller. On va prendre les héros qui sont défensifs. Ah, un coup d'étargie. Allez, on balance tout. Deuxième héros défensif. Le coup de goal. Et bah, ça va la clasher. Ils sont tous morts quasiment. Alors, c'est un peu touché quand même. On va reculer parce qu'il y a le buffer qui est juste là. Alors, en fait, vous avez vu, lui, en fait, il renvoie les attaques à distance. Ce héros-là, c'est pour ça que je l'ai pris, justement. C'est pour qu'il puisse, renvoyer, en fait, les coups d'archer, on va dire. Voilà, il renvoie tout. Et là, on va mettre un petit DPI, on va reculer un petit peu, on va tirer. On appelle un peu des unités derrière, les sorcières, les artificiers qui vont canarder. Et voilà. Et encore une fois, le chariot qui va venir écrabouiller tout le monde. Voilà qui est fait. Ils ont un buffer derrière, il faut vite tuer le buffer, c'est lui le buffer. Un coup d'éternité. Continue le DPS. Pour l'instant le build est bon, hein. On va filer un petit peu quand même. Ils sont encore sur l'effet du buff. Mais ils se font tuer au fur et à mesure. Ah évidemment, avec la troupe c'est monstrueux. Tout le monde est mort. On va reculer encore. Il y a encore un autre buffer derrière. Un petit coup d'éternité. Pas juste ici, le buffer est là. Hein. Je commence à le DPS, on appelle le chariot, on rappelle une sorcière, un artificier, un force archer. Et ça va gratter. Ah, la femme araignée qui est là, super relou elle. Hein. En plus, elle est buffée, ça va être tendu. Allez, le buffer il est mort, j'ai balancé pile poil, les gars. Bon moment, mon chariot. Là, ça va être dur, ah, bien sûr, les héros vont tomber les uns après les autres. Alors, il y a réinvoqué. Et voilà, on stun tout le monde. Avec un
coupe d'éthargie et on rappelle, comment dirais-je, Ninja, l'aveugle, l'incommunidane, on va dire. Et ça canarde et ça va crever. Ça crève, hein, c'est rapide. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. C'est tout chariot. Alors qu'on a deux côtés juste derrière. Et là, je vais sûrement tomber peut-être au prochain coup. Il reste plus que je suis presque mort, hein, d'énergie, beaucoup de vie, j'ai plus de PV, c'est super chaud, c'est super tendu, il faut absolument tuer les buffers. Voilà, pour l'instant là, on dépèse la distance, le gong va sonner, on avance vite, le buffer est là, hein. Putain, je prends super cher, bah je suis mort. Chiste! Jeu de merde, un jeu de merde. J'ai perdu. J'ai sacrément perdu. Alors ce jeu en fait c'est quoi? C'est Samurai Shodown. Enfin non, Samurai Shodown. C'est Samurai... c'est ça en fait, regardez. Je vous montre. C'est celui-ci. Samurai versus zombie de défense. Alors, attends, je me mets un coup dans le gosier. Alors, donc, c'est quoi ce jeu? J'ai répondu, tu t'es pris Dragon Ball Z? Oui, oui, j'ai pris Dragon Ball Z, on me l'a prêté pour le tester en fait jeudi après-midi sur Millennium. Alors, la vieille pub. Donc, suivant, on va reprendre le samouraï parce qu'on n'a pas le choix, il est obligatoire. J'aimerais tellement prendre la Kunwashi. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Kunwashi, elle a l'enchaînement infini en fait hein, sur les mobs, hein, c'est facile. On va continuer comme ça, on va prendre je pense un des charmes. On va prendre des charmes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Des charmes de. Bon, si je prends le charme de paix, c'est craqué. Hein. C'est 50% de dégâts en moins. On va le faire aller. C'est facile. C'est gratuit. Allez, c'est parti. Alors, en théorie, je suis censé gagner. Hein. Gagner complètement. Car en fait, les ennemis infligent... Vous voyez, en fait, ils ont des poulets à la place des armes. Et donc, du coup, je suis censé largement gagner, hein, puisque je vais avoir l'avantage, évidemment, au niveau des dégâts. Ça va être facile. Allez, on passe derrière, le buffer qui est là. Un coup d'éthargie. On va prendre le premier tank qui va arriver. Allez, on va tuer le buffer. Ça va être good. Voilà, il est mort. Et on recule, on prend le chariot. Recule au max. Il faut tous péter là. Ah ouais, avec 50% de dégâts en moins, c'est plus facile là, évidemment. Tout comme des mouches, on va pouvoir buffer le commandement au fan numéro 2. Et ça continue. Et voilà, et ça va gratter. Un petit coup d'éthargie. Ça se passe bien pour l'instant. Pas faire le con, hein. Quand même du monde derrière. Il y a deux buffers, ils sont juste là. Et moi j'ai plus beaucoup de PV. On va commencer à prendre de la range. Alors on a utilisé ici une théière pour grimper directement au commandement numéro 4. Et donc là c'est parti évidemment. Le jeu commence maintenant réellement. Les commandements qui sont là, on recule. Hey, c'est quand même pas facile, hein. Faut quand même pas jouer le newbie. L'éthargie encore une fois, le chariot. Voilà. Voilà. Allez, ça calme sec. C'est bon, mourir là, une douce mourir. Un petit coup de sushi. Voilà qui est fait. C'est bon là, c'est parfait là pour l'instant. Tout se passe bien. Le buffer est juste ici, hein. Il y a deux buffers. Hein. Ils sont super relous eux. Vous voyez, c'est eux là qui sont en train de faire le tam-tam, je sais pas quoi. Et ils avancent hein, évidemment. Pas faire le con, ça va être dur, faut reculer. Et c'est fait one shot le mec. Hein. C'est carrément fait one shot. Allez, les buffers sont morts, c'est une bonne nouvelle.
Alors qu'il y a les Frost Archer, les artificiers du sorcier qui sont en train de DPS. Ça passe très très bien, c'est un très bon build dans ça. Il marche encore mieux avec la Kimwashi. Et là ils avancent pour tuer. Ils vont attaquer mes casters. Ouais, c'est mort. Allez, un petit coup de léthargie. Encore une fois, il y a un buffer ici. Voilà, un petit coup de chariot. De troupe, pardon. Voilà qui est fait. Et on recule. Il est un peu dans la merde, mon. Ah, il est mort, justement. Et je vous rappelle qu'il y a quand même moins 50% de damage. On est sur une vague très puissante ici pour l'instant. C'est chaud, hein, c'est super chaud. Les autres, ils tombent les unes après les autres. Allez. Ready, go! Évidemment, il se rapproche dangereusement de ma base. Allez, tout le monde est mort. Oh, il reste encore un buffer, ça fait deux fous quoi. Passe derrière, c'est elle, hein, c'est lui là. Avec son chapeau sur la tête là, qui est super relou. Et il faut le tuer bien sûr. Il faut pas le lâcher. Là ça va être chaud hein. Là je fais aucun dégât quoi. J'ai pas refait mon héros. Mon héros c'est devenu une merguez. Super chaud, ça va être super chaud. Va falloir full DPS, ça va pas être facile. Oh, c'est chaud, ils sont complètement craqués là. On n'entend pas de claquer ici un sushi. Allez, un coup d'éthargie. C'est ce putain de buffer là, faut le tuer là. Voilà, il est mort. Plus bon, ils vont infliger moins de dégâts. Ils arrivent doucement et sûrement. Wouah, les mecs, il est juste là, quoi. Ils arrivent. Ils arrivent complètement sur moi. S'ils arrivent dans ma porte, je suis mort. Pouah, les mecs. Ça arrive en masse. Ouais, ils sont presque à ma porte, hein. Ça va être super tendu. Allez, en DPS, bande de têtes de mort, allez le chariot, voilà, ils sont morts les archers, il y en a encore derrière, what the fuck, il y en a partout, ça va pas s'arrêter, ils sont en train de DPS ma porte, ça va être super tendu, allez, on les pousse, je m'en fous, j'utilise la raise, sans le sapin, et voilà, ils ont pété ma porte, allez, je raise. Oh, ça servait à rien du tout! Parce que je suis con! Oh, il y a trop de femmes. Oh, c'est mort, j'ai perdu. J'ai perdu. Oh purée. Mais c'est inadmissible! C'est pas possible! J'ai le seum. Bon. On va réfléchir un petit peu. Le build, il est pas bon du tout. Les femmes araignées, elles aiment pas quoi? Elles aiment pas les fermiers. Elles aiment pas les Frost Archers. Oh, il y a ça aussi à prendre. Elles aiment pas quoi encore? On va prendre lui. Bon, je sais qui on va prendre, vous allez voir. On va prendre eux. Artificier. Non, pas artificier. Ouais, mais non, mais c'est pas bon du tout, ça. En fait, il faut que je prenne des unités qui sont très très basses en énergie. Pouvoir spammer un max.
L'archi fait combien? Oh, c'est pas grave, tant pis. On continue. Ah, attention, au niveau des sorts, j'ai le droit à quoi? J'ai le droit à tout ça. On va changer, je crois. On va prendre les renforts. Ça va être mieux. Léthargie. Ouais. Ça me paraît bon, ça. Bon, allez, on y va. On va prendre un buff spécial rapidité. Quand on a pris plein d'unités, ça va spammer sec. Allez, regardez bien. Regardez bien ce qui va se passer. Hein. Là, je gagne. Une théière, deux théières. Allez, on spamme les théières. Hein. Faut passer le niveau. Voilà, c'est fait. Allez. On y va direct. On a pris son cheval. Allez, on y va. Et c'est parti. Takada, takada, takada. On va tout bourrer. Attention, faut faire attention au cheval. Hein. Il est très faible en énergie. Par contre, il permet de ralentir un maximum d'unités. Comme il va vite. Et ça va aller direct à toute l'énergie. Et c'est parti. Hein. Les fusillés qui sont là. Ça, c'est le build pour spécialement. C'est le build spécial samouraï. Ça calarde de partout. Allez, ça va être chaud. Ça va être super chaud. Ça avance sec, hein, ça rigole pas. Le buffer qui est ici, un petit coup d'étargie. On a pris son horse. Putain, il est déjà mort. On va reculer direct. Il lui fout le DPS, hein. C'est le build spécial DPS. Spécial cutie. Allez, un petit coup d'étargie, un petit coup de renfort. Ça c'est le buff ultime, regardez bien ce qui se passe, regardez les barres comment elles fondent. Comment les barres elles fondent. Eh oui, évidemment, vous faites léthargie plus renfort, ça DPS tellement abusivement. Ils vont tous se faire tuer les uns après les autres. Ça c'est le build full cutie qui est en train de marcher totalement, alors qu'en face ils sont buffés hein. En intégralité. Un petit coup d'étargie. Et on avance doucement, on va attaquer les buffers ici. Lac, tac, on va laisser un petit peu la barre remonter. Voilà, ici, par exemple, regardez bien un petit peu l'arnaque. Il y a renfort qui vont tuer justement les buffers. Voilà, et ben le buffer va mourir ici. Il va se faire tuer. Voilà, c'est bon, on va revenir en arrière. On va reculer toujours et encore. Et on repart sur une phase d'attaque. Un chariot direct en pleine gueule. L'étargie. Et on continue avec les archers. Les archers qui vont se transformer en fusillés à cause du buff. Et voilà, tout le monde recule. Ça va être dangereux parce que maintenant les femmes araignées vont carrément arriver. Ça va pas être facile. Et voilà les femmes araignées. Hein. C'est elles qui m'ont tué juste avant. Et voilà, c'est parti. Elles sont maintenant au contact des fermiers. Elles vont les one shot, hein, c'est évident. Ça va tellement vite. Il me faut une énergie rapidos. L'énergie qui arrive maintenant, c'est parti. Et ça sort de partout. Ça DPS un max. Ça va gratter, ça va mourir vite. Et ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte encore une fois. Évidemment, on balance le chariot, un artificier, encore un cheval. Elles prennent très cher, les femmes araignées. Très cher, elles prennent très cher. Mais elles sont toujours en avance. Ils font tellement mal à mes unités. C'est super tendu quand même. Hein. C'est super chaud. Il faut reculer. Encore à l'éthargie, encore les fermiers. On les spam à l'infini. Il faut les spammer. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de buffer, heureusement pour moi. Attention au prochain son de cloche. Je balance les renforts. Attention au son de cloche. Boum. Allez. Les renforts qui sont là. Et ça va DPS un max. Ça y est. Elle a one shot les unités. Et lui, il faut le tuer rapido. Il est mort. C'est bon. Allez. On peut le faire. On peut y arriver complètement. Ça va DPS au max. On avance, on recule. Il faut rester un peu au contact pour qu'il touche DPS. La cloche qui est en train de sonner à l'infini. Il stagne l'unité. Mon cheval qui est mort. Purée, il meurt en deux coups, il n'y a pas le choix. Et les buffers qui sont derrière. Et ça avance. Le renfort qui chop. On arrive derrière. Le buffer qui est juste ici, un coup d'énergie. Attention les archers. Ça cogne de partout. C'est un peu le drame. Il y a du monde. Hein. Très dur. Oh, je suis mort. Oh non! J'avais réussi à tenir le coup. Putain. Ah, je suis dégoûté là. Je suis mort. J'ai pas de truc pour Oh là là, la rage, ce niveau de merde.
C'est pas possible. Bon, je vais rester une dernière fois. Allez, on va réussir, on va réussir. On va réussir. Alors le jeu en fait c'est Samouraï versus Zombie Défense 2 sur iOS. Allez c'est parti. On va buffer direct. Allez. Là je suis énervé là. Alors on peut les tuer. On va prendre le même build que tout à l'heure. Le cheval je vais un peu moins le prendre. Évidemment ça sort. Ça commence direct. Allez, ça DPS, les premières unités, les premières, pardon. On va foncer vite derrière. Ça avance vite. Hein. Voilà, il va mourir. Voilà, là, ça se passe bien. Allez, on avance. Ouah, ils sont tous là. Allez, c'est pas grave. On va DPS un max. Léthargie. Ah, c'est bon, c'est parfait. Ça marche bien, là. Ça marche très très bien. Ils sont vachement arrêtés. Ils sont vachement ralentis. Voilà, ils sont tous morts. Perfect. Ça se passe pour l'instant très très bien. Alors qu'il y a un buffer derrière. Il va leur tuer évidemment. Ils sont en énergie, ils passent derrière. Ils sont presque morts, vous avez vu là. Plus beaucoup de vie. Ils ont plus, vous direz. Voilà, ils ont pris cher, ils ont pris très très cher. On fera du ski juste après, il n'y a pas de souci. On fera du ski fighter juste après. Allez, le phare qui va mourir. Voilà. On a encore un derrière. Putain, ils sont à l'infini quoi. Et voilà, évidemment, il y a des femmes araignées qui vont arriver. Et c'est elles qui posent le plus de problèmes. Oh, donc férié. Allez, vous le vite tuer. Ah, le buffer il est mort, c'est bon. J'ai beaucoup de vie. Ils sont trop durs à tuer, putain. Il y a encore un derrière, ça c'est hallucinant. C'est lui, hein, c'est lui qu'il faut tuer. Hein. C'est les buffers, voilà, ils ont plus les buffs sur la tête. Maintenant ça va être un peu plus facile. Allez, il y a le boom de la cloche. Pour aller stun rapidos. Ma vie qui va remonter au fur et à mesure. Allez, on stun un peu. Allez, ça se met au maximum. Allez, allez, faut les tuer. Allez, faut les tuer. Faut se dépêcher. La cloche, s'il vous plaît. Allez c'est bon c'est stun. Il y a le buffer qui est derrière. On appelle les renforts pour tuer le buffer. Le buffer qui va mourir. Voilà ça continue. Il va mourir le buffer, il est mort c'est bon. On recule encore un petit peu, un coup d'étargie. On va s'occuper du deuxième buffer ici présent. Voilà. Alors pour l'instant mon armée va falloir affronter la première femme araignée. Il va falloir la tuer et il est mort. Et c'est good, on va reculer maintenant. Elles sont pas encore mortes ces femmes araignées. Elles sont toujours au niveau du gong. Alors elles sont obligées de passer. Là pour l'instant c'est un peu le drame et ça canarde de partout, cible full range, ça marche bien, attention léthargie, le coup de cloche j'espère qu'il va prendre maintenant, boum, et voilà les renforts qui vont tuer les araignées peut-être, femme araignée qui ont été jouées, allez, allez femme araignée, faut qu'elle tombe, elles paraissent increvables et voilà, elle peut faire quand même derrière évidemment, il manquait plus que ça, pas un souci, là je suis dans une mer de noir comme on dit. Ça va être très très difficile, elles avancent tellement vite hein, les femmes araignées, ça se prend de partout mais ça va être chaud, il va pas falloir les laisser passer. Elle lâche rien, elle lâche rien, elle lâche rien. Allez, allez j'ai pris mon cheval. Allez, allez, les renforts qui vont être ici.
Tuez-moi ce fichu buffer, s'il vous plaît. Tuez-moi ce fichu buffer qui est en train de... complètement buffer tous mes... tous ses ennemis. Il est mort. Le buffer est mort. Et du coup, l'armée qu'il y a derrière, c'est un truc de fou, personne ne passe. C'est la fête du slip. Et avec les gongs qui pop, il reste une femme araignée, j'ai pris mon cheval. Attention, il y en a un qui est passé. Faut l'arrêter vite, faut l'arrêter. Voilà, je le tue vite. Et voilà, faut l'arrêter. Oh, les mecs, ils sont tous là, ils lâchent pas le morceau. On va bousiller ma porte, la barre qui est en train de se bousiller de ma porte, et ça va aller. On va récupérer un petit cadeau au passage. Et les... oh là là, il y a encore un buffer derrière, mais c'est hallucinant. Oh, il y a encore une femme araignée. J'y crois pas, il y en a partout, c'est la folie. C'est la folie furieuse, en gros, qu'elles sont. Il y a la cloche hein, qui va popper ici. Allez, faut les tuer. Allez, bien sûr, je vais quand même pas mourir de si à l'infini. J'ai plus de soucis, j'ai plus rien. Je suis vraiment dans le caca au sens propre du terme. Et la porte commence à se faire DPS. Ça va être très difficile. Ça va être très... Allez, le buffer faut qu'il meure. Ah, le buffer est mort. La porte qui se fait dommages, qui se fait DPS pour l'instant. C'est la fin, je vous dirais. C'est fini. Ça, putain, mais elle est vraiment... faut vraiment buffer les persos, quoi. Oh là. J'ai perdu. Bon. Je reviens. Pour la peine. Alors, c'est good. On va enchaîner sur Super Street Fighter 4. Alors, je vais mettre la caméra vite fait. 2 secondes. Hop, voilà, ça va être fun. Je vais me mettre comme ça. Comme ça, c'est bien. Mettre ici, voilà, car moi, je suis à gauche. Alors, vous connaissez la sanction. Vous avez vos messages. FT2, premier ou première qui veut jouer contre moi, c'est en direct. Alors, lui, c'est le premier, je crois. Hein. C'est Raflect. Alors, invitation à un jeu, c'est parti. Allons voir un petit peu ce qui va se passer. Attends, je vais poser un peu le casque ici. Hop, voilà. Hop là, c'est bon. Alors, est-ce qu'il va se connecter ce joueur? Est-ce qu'il se connecte pour aller affronter leur DVD? Allez, comme il y a du monde aujourd'hui, on va vite fait, hein. On va se dépêcher. S'il n'est pas là dans 5 secondes, eh ben je vire. Ah non, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, on se dépêche, on clique. Allez, Rafalek, je sais pas quoi. Alors, donc, on va switch un petit peu. Et oui, hein, je vais jouer Blanca aujourd'hui. Blanca contre Gouken. C'est parti la bagarre. Comme on dit, on va prendre le training stage. Blanca, la bête qui va frapper ici en direct sur Rogaming. Espérons qu'elle soit OP. En attente des joueurs. Attention, Blanca versus. Ouais, l'électricité. La saving sur la boule. La glissade du sage, évidemment. Et c'est parti, hein. Ouais, évidemment, ça commence mal. Ça commencera très mal. Voilà, tu sautes pas sur Blanca. On se barre, la glisse. Putain, mais il fait que des saving. Bon, Blanca qui est complètement, je crois, pour l'instant, très moisi. Voilà, prends ça. Oh, comment ça lag ma gueule? C'est assez infernal. Tiens, hop, Ultra 2!
Trop de saving, tue les saving. Ouah, le mec il a bourré quoi. Putain, mais comment ça lag, c'est un truc de fou, sérieux. Eh hey, sérieux les gars, là faut couper le stream hein. Moi j'en fais qu'une seule avec toi hein. Ça lag beaucoup trop. Ah là ça lag plus là. Il a coupé le stream je pense. Voilà, c'est lui qui va rentrer bien sûr. On saute pas sur Blanca. On va se barrer. Ça c'est abusé ça, hein. Le recovery est tellement élevé. Voilà, prends ça. Ah, 3 hit combo, ça suffit largement. Et voilà. Osef. Quoi quoi. Il a fait la boule. Il a fait la boule, il est mort. Eh ben oui, pourquoi il fait de boule de loin. C'est qui Blanca? C'est moi Blanca, c'est pas toi. Hop là, on va le croquer. C'est parti, c'est le bordel. Attention. Hop là, le coup de l'arnaque, ma gueule. Hop là. Pff, et ouais. Il est bien, Blanca. Ah, bien joué, la chope. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout! Qu'est-ce qu'il est bon, Blanca! Blanca win, le Blanca sale! Après 1-2-3 Doskoy et le 1-2-3. 1-0. Je vais mettre mes lunettes swag. Allez, mes lunettes Xbox. Alors attention, mes lunettes ont un problème. C'est que, eh ben, ça fait des grillages sur la tête, sur les yeux. Donc, je vois moins bien. Donc, si je gagne avec mes lunettes, ça veut dire que, eh ben, si je les enlève, c'est encore plus fort. Et oui. Allez, training stage. On y va. En plus, mes lunettes sont vertes comme la couleur de peau de Blanca. Are you ready? Bien sûr, je suis ready. Bien joué, ça. Non, on saute pas, hein, s'il te plaît, tu es gentil. On saute pas. Hein. Voilà, saving encore une fois. Il fait que des savings, lui. Hein. C'est un truc de fou. Attention, j'ai l'ultra. Je bourre, je m'en fous. Tu gardes et tu arrêtes. Saute pas sur Blanca évidemment. Ouais, elle est sale. Il est délire ce perso. Blanca, Blanca la puissance. Allez hop mon coco. On n'est pas à fête foraine ici, on est chez O-Gaming. Ah la saleté. Voilà, voilà. Bien joué ça. Ultra, ultra, évidemment. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ultra, hein. Oh, la baguette. Voilà, bien joué. Bien joué. Attention, balle de match, hein. Si je perds, c'est chaud. Tiens, prends ça. Trop de saving. Tue les saving. Là, je déchoppe, quoi. Putain, les mecs, quoi. Je déchoppe complètement. Hop là. Et hop là. Mais il saute, hein! Il commence à m'énerver, lui, hein!
C'est les choper, hein. Saute pas, bon sang de bonsoir. C'est des chopés, non. Eh oui, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît? Blanca win. Et voilà, Blanca qui vient de frapper en direct. C'est magnifique, hein. À bientôt, l'ami. Allez. Ça fait bizarre de voir un anti-air qui est parfait. Alors, on va donc prendre... Alors, par contre, les lunettes, c'est... ça fait trop mal aux yeux. J'ai du mal à regarder. Invitation à un jeu. Voilà qui est fait. Blanca serait-il mon deuxième personnage? Anthrophobie 57. Pas mal le nom. Alors, on va prendre Blanca toujours avec la couleur bleue. Et l'Ultra 2, bien sûr, qui est l'Ultra spécial projectile. Dès qu'on voit une boule, on balance l'ultra. Ah, Oni, hein. Oni qui est bien puissant aussi. On a pris le Blanca un peu moche. Ah, il me paraît un peu foufou ce joueur, mais il va tomber rapidement dans les abysses. Qui pour l'instant est en train de faire mal au Yonf. Oh, pas gros point, le mec, il est fou. Allez, ah, gros, ouais, qu'est-ce qu'il est fat ce coup. C'est bon ça. Regardez bien, je me baisse. Tap, 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 tap. K.O. Qu'est-ce qu'il y a, Knaki? Allez hop. Allez, on joue au pif. 1-0 pour l'instant. Alors donc on continue, hein. Encore une fois, c'est pour le fun. Allez, on continue. Par contre, on va jouer uniquement comment dirais-je, dans le training stage pour éviter un maximum de délai, comme vous le savez. Allez. Attention, ouais, gros point sur place qui est vraiment très puissant. Allez, les sabots et dragons. On se barre. Voilà, 3 hits combo. Voilà, c'est bon. Allez, 1-0 pour l'instant. Le Blanca qui est bien parti pour tuer... Ah, ça n'a pas fait entière, ça. C'est moche. Ça sent le roussi. Bien joué, ça. Eh non, on peut pas sauter. Terminé. Alors, il fut un temps où c'était un top FR. Ah oui, je sais. Je ne suis plus un top FR, je suis un top escroc. Mais je réussis quand même à passer les poules, hein, ce qui est déjà pas mal. Hein. Allez, 2-0. DVD, est-ce que tu joues encore à CVS2? Ah bah non, je joue plus puisque je n'ai pas la console. FT2, fais-moi mal. On a déjà joué ensemble à l'instant. Kizuka. Allez, prochain joueur. Alors, Blanca, pour l'instant, qui est bien sympathique. Allez, Kizuka, qui va-t-il jouer? Allez, Blanca va prendre en couleur jaune, comme Son Goku. L'Ultra 2, évidemment, qui va venir ici casser les cailloux. Les cailloux de Cody. Allez, Blanca. La blanquette contre Cody. Le petit blondinet. Allez, c'est parti.
Voilà, Saving qui est rentré ici. Il va falloir camper, hein, évidemment. Comme vous le savez, c'est une de mes spécialités, la campouse. La baguette ici qui rentre. Bien joué, ça. Allez, on va essayer de se tirer. Merde, c'est une erreur, ça. Heureusement que l'a pas puni. Bien joué, ça. Allez. Eh merde, j'ai raté l'ultra! Quel stupide andouille! Allez, on va se barrer bien sûr. Et il est mort! C'est fini! Et non! Et il a raté l'ultra 2! Quelle saucisse! Ah, évidemment, il est mort. Allez, balle de match, évidemment. On se bat, rapidos. Blanca, hein, toujours aussi fou furieux. Ok, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Il est mort. Merde, j'ai raté. J'aime beaucoup ce coup de pied, regardez bien. Ce coup de... ce coup pourri, quoi. Allez, pour l'instant, il y a 1-0. C'est marrant parce qu'avec Blanca, ça va plus vite qu'avec Honda. C'est bizarre, hein. Avec Honda, c'est moins violent. Les gens... je sais pas. Très bizarre. Alors, en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Le Blanca est en train de... ratatiner Cody. Attention, hein. Le perso de la fuite, hein. Pas bien joué, ça. Elle s'est déchopée quand même. Allez. Ah mais... le coup de l'arnaque. Bien joué, ça. Voilà! Ah, ça rentre ou pas, ça? Ah ouais, ça rentre pas, hein. Et je suis mort! Et non! Voilà, Bainka et la Bouliex. Voilà, donc à mon avis, je pense que là, on a... Cody qui se fait bien bourrer, un peu salement. Ouais. Ouais. Pour l'instant, c'est bien parti. Arrêtez de vouloir... vouloir sauter sur Blanca, vous ne pouvez pas. On peut pas sauter sur Blanca, est-ce que vous comprenez? Ne saute pas sur Blanca. Et c'est fini.
Blanca win. Ah, d'ailleurs, pour la peine, je vais mettre la musique de Blanca. Allez, je suis chaud, là, je suis chaud. Allez, où ma musique de Blanca? Il faut que je la retrouve tout de suite. Allez, ici, versus, Lord DVD, musique. Allez, où Blanca? Il est où Blanca? Il est là. Blanca est là. Voilà. Voilà, ma gueule. Blanca, qu'est-ce qu'il y a, hein? Évidemment, on la mettra juste après. Un prochain message, on va prendre Cousinus Tubage. Allez, c'est parti. Blanca, évidemment, contre qui vous voulez. Moi, je joue Blanca aujourd'hui. Le Blanca du mal. Allez-y. Envoyez vos invites jusqu'à 18h50. Alors, Blanca, aujourd'hui, évidemment, on va prendre Blanca en couleur noire. Oh, Makoto! Makoto qui est bien relou. Mais bon, on va voir ce que ça va donner contre Blanca. Avec les Tsurugi à l'infini. Training stage. Makoto versus Blanca. Blanca en mode tout noir. Tiens, prends ça, cocotte. T'apprendras à venir m'énerver. Bien joué. Il est fort, lui. Oh, je suis un ouf. Oh. Saute pas. Eh oui, saute pas sur Honda. Sur Blanca. La garce. Oh mais la vache. Voilà, demi-barre de perdu. Voilà. Eh oui, KO. Voilà ce qui s'est passé, le round qui a ici tué la pauvre Makoto et la balle de match, bien sûr. Oh, il y a TX direct. Oh la vache, il n'a pas fait entière ce port. Ouais, BAMP, pardon. Mais... ça bourre beaucoup les Makoto là, hein. Saute pas sur Blanca. Attention, la chope. Vous avez chopé. Oh, le coup d'arnaque. Eh oui. Le petit dash avant et Blanca win. Dash avant shop. Allez, on va continuer avec Blanca tout vert. On va prendre l'Ultra 2 toujours. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon Blanca? Est-ce qu'il est nul à chier? Merci en tout cas pour vos messages. Je pense qu'il doit être nul à chier. Mais bon, c'est le Blanca du training. Attention. Tiens, viens pas là, toi. Dragon, bien joué. Balayette. Ok, je suis en affaire. Voilà, entière. C'est quoi ces joueurs qui bourrent, là? Heureusement, je sais faire un piano, hein. Voilà, dans le corner. Voilà, là, le mec, il bourre, quoi.
Oh là là, là, c'est pas possible. Le mec, il se relève en Hayate normal. Voilà, tu vas là-bas. Saute pas, évidemment. Oh, ultra! Mais... Blanca! À défendre le con! Oh, mais... Mais qu'est-ce qu'il fait, Yaté? Allez, hop, j'ai perdu un match. Tu l'auras voulu, garce. Tu l'auras voulu. Massacré. Allez hop! Allez hop, c'est parti, on va prendre le gros sac. Alors là, il n'aurait jamais dû prendre un match! Viens là, cocotte! Allez, ça gratte là! M'en fous, Tayate! Come on, Moru! Tiens! On a un problème? On score rien. Oh, il a brûlé, grosso modo! Oh, le sale petit. Tu veux qu'on bourre? Eh ben, tiens! Ah! Putain! Chacun son tour, enfoiré! Ah, il a bourré comme un sagouin. Eh bah tiens, t'as pris ton ultra. En plein dans la chope. On saute pas sur Honda. Vermicelle. Allez, le coup de cul ici. Ah, ça fait cross-up ça. Change ta garde. Attends, change ta garde. Oh, bien joué le dragon. Change ta garde. Saute pas sur... chaud. Allez, on va se barrer. Pourquoi tu sautes? T'as pas le droit de sauter, ça brûle l'ultra. Balayette. Il a bougé. Il a bougé. Oui. Il a bougé. Aïe hop. Andawin, vous avez vu un peu cette violence dégueulasse? J'avais prévenu, hein. J'avais prévenu. Celui qui m'énerve, eh ben il se prend Honda. Et Honda, il rigole plus. Alors, FTCVDN, FT2 la bagarre. Allez, vas-y la bagarre, viens là. Allez, on continue. Parce que nous, on est des vrais. On n'est pas là pour LOL. Allez, on y go. Il y a un partout, non? Il y avait combien? Il y avait un partout? Non, il y avait un ou... J'ai un doute. Il y avait combien là? Ah merde, il y avait un, merde. Attends, je vais envoyer un message. Attends, désolé, il est où? Ah, je vais immédiatement m'excuser. Merde, j'ai oublié un match. Je t'invite après. Voilà. D'accord, en direct. Je suis trompé. Non, j'ai bien ce que j'ai dit alors. Voilà, bon, non, j'ai bien d'accord. Il y a bien 2-1. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On rigole plus. Allez. Dalsim. Regarde, fire. Et qu'est-ce que. Ah, j'ai pris Dalsim. J'ai même pas fait exprès. Hein. J'ai même pas fait exprès de prendre Dalsim. Putain, merde! Oh là là! Merde, ce poids d'homme pourri! Allez! Catastrophe!
Oh purée! Merde! Mais pourquoi j'ai pris ce bonhomme là? Je suis venu à Yesh avec. Tiens. A fire. Tiens, prends ça. Yoga. C'est chaud. Oh le sale... Le cochonnet. Oh bien joué. Oh non. Oh non. Ce jeu est nul. Mais je vous ai garanti. Oh là 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 là. Putain, je me téléporte pour le Rodka et je me fais tuer, quoi, le mec, là. Le mec, là, il est où, là? Il m'énerve. Bon, je vais prendre Blanca. Allez. On va prendre Blanca. Et on y va. Blanca contre dictateur. Ciao. Encore un match-up à la con, ça. C'est pas un match-up à mon avantage, ça. Hein. Ça commence fort. Comment faire pour gagner? Oh, n'importe quoi, ça fait cross-up. Ah ouais, bien évidemment, c'est les deux. Je suis dans la merde, hein. Je vous cache pas que là, si je gagne, c'est un miracle. Oh, c'est bon ça, bah, c'est pas bon, c'est bon. LOL. Non. Ah ouais. Oh purée, il s'échappe. Ça sent le roussi, hein. Musique de Blanca. Allez, attention avec ça. Je perdrai jamais. Je parlerai pas là. Saute pas sur Blanca évidemment. Ouais, le mec échappe pas. Voilà, il est mort. Attention au pif. Voilà.
Ah, c'est chaud! C'est super chaud, hein! Ça va vite! Je respecte plus! Je respecte plus! Voilà! Blanca win! J'ai gagné! Il y a combien là? Ah, il y a un partout là! Ok. On va prendre. Prendre 7, tiens. On va prendre 7. Comme ça, au moins. On est tranquille. Allez. On a pris 7 contre dictateur. Ah, prends ça. Évidemment, là, le saut dragon, il est pas bon, hein. Ah, Dragon Punch. Voilà. Ah, merde. Bah, je pense que c'est fini là. Ah, évidemment, il saute sur moi. Alors, le dragon, ça fait mouche. Hein. Dragon fait mouche. Et là, c'est la balle de match. Voilà, reste là, s'il te plaît. Voilà! Et le pile driver. Là c'est parfait. C'est fini. Pom, 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 pom. Allez hop, on fait une petite page de pub et j'arrive tout de suite, ne bougez pas. A tout de suite pour jouer contre moi encore. Hein. Il reste des games je crois. Hein. Il reste encore pas mal de joueurs. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6 joueurs encore. Alors ne bougez pas et rendez-vous à tout de suite, dans 5 minutes, pardon. Vortex de merdier, GG! GG à toi aussi mec, à tout de suite! Allez c'est reparti, DVD de retour, toujours et encore. Alors j'ai invité un joueur, j'ai invité Saburishino Ishiro, ça n'a pas marché, je sais pas, il vient pas. Donc on va affronter on va prendre un autre joueur, Matt 16000. Allez, on y va tout de suite. Allez Matt, hop. T'as rien reçu. Bah, je t'enverrai ça après, alors. Je t'enverrai ça après. Allez, donc on y retourne. Après, je ferai un petit peu de... Je reviendrai un petit peu en arrière parce qu'il y a un joueur que j'ai raté. Allez, on va prendre Adon. Adon contre DJ. Jaguar Revolver. Allez, hop, on y va tout de suite. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, on essaie un petit peu de jouer tous les persos pour rendre le stream un peu plus exotique. Honda, je pense que vous l'avez vu des centaines de fois. Allez, c'est parti. Le slash. Jaguar kick. Le BMK. Ouais, évidemment, la glissade. Le short jump. Jaguar kick.
Attention, elle chope, hein. Bien joué, ça. Non, il est con, DVD. Allez. Ouais, Jaguar kick, y'a pas de problème. Ça, par contre, c'est assez craqué. Allez, balle de match. Adam, pour l'instant, on est bien, on est bien. Voilà. 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 Bien joué, ça. Bien joué deux fois. Voilà. Oh là 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 là. Je me rappelle même plus c'est quoi la manip, je sais même plus si c'est l'ultra 2 ou le 1 qui combat, je me rappelle même plus. Alors en tout cas pour l'instant, il est bien parti ce add-on, ce DJ pardon. Par contre il passera pas. Par contre il n'y a pas de déchoppe hein. Ouais ici ça va être bon. Jaguar kick. Wow, ça presse hein. Voilà, c'est bon, terminé. Allez, 1-0. Moi donne qui pue hein. Mais bon. On a essayé de presser, de jouer un petit peu à la Gamerby. Un Gamerby de la mort. Allez, on va prendre Sagat. Avec Ultra 2. Allez, on continue. On va prendre un peu tout le monde. Allez, Sagat contre DJ. Tiger shot. Parculé, ouais. Ah, le HK. Hein. Ah, Tiger, par contre, il n'est pas sorti. Tiger shot. Bien joué ça. Ça joue bien, mais... Oh, il est presque mort. Ouais. Oh là, l'ultra en entière. Ça passe normal. Oh, la chope. Il est un peu dépité ici, DJ. Ouais, bien sûr. Tiger uppercut. Évidemment. C'est quoi ce dragon du mal? Il a fait la boule! Oh, il a esquivé, putain, le porcelet. Oh là, bordel. C'est chaud, hein.
J'ai sauté! Oh là 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 là! Fion! Tiger! Tiger! Tiger Parkour! Saute pas sur sa gâte! Évidemment, je suis en douille. Putain, comment il est mortel ce coup, ex! Allez, on va essayer de le chercher. Il va venir me chercher, hein, il a pas le choix. Tiger! Mais... Et c'est fini! Il est mort! Oh putain de l'autre! Oh, il a pas son ultra! Tiger uppercut! Tiger Knick, il rentrera pas! Et le Tiger uppercut! Eh ben dis donc, quel sac! Quel sac de ouf! C'était chaud, hein! J'ai failli... mon ultra qui est même pas rentré. Inadmissible. Inadmissible. En tout cas, il avait pas mal son DJ, hein. Pas mal son DJ. Allez, on va juste retourner un tout petit peu en arrière avec lui, Sabu Shiro, là. Habitation, un jeu. Allez, let's go. On va voir un peu, j'espère que ça va bien se passer. Allez, retourne un sac, c'est parti. Plus qu'à faire prêt. Allez, c'est good. Allez, let's go, on y va. On perd pas de temps. On perd pas de temps. On perd pas de temps, mec. Allez, on va prendre... On va prendre Ken, tiens, allez hop. Ken, le blondinet, avec l'ultra 1. Et Ken contre Ryu, bien sûr, hein. Le match-up des amis. Allez, Ken, Ryu, let's go. On va voir un petit peu comment ça va se passer. On essaye vraiment de jouer un maximum de persos pour le fun. Sabu, Rishiro. Allez, Ken, Ryu, c'est parti, let's go. Ah, bon, MK direct, hein. Moi je perds pas de temps. On a gratté un petit peu. El Dragon en tir, hein, ça va de soi. Hadoken qui rentre. Hadoken. Ouais, bien joué ça. Il m'a fait whiffer le dragon. Hadoken. Le chariot. Chariot! Bien joué ça! Merde, DVD, tu schlingues! Là, c'est un peu chaud. Parce que là, je sais pas trop ce qu'il va faire. Putain, la boulex quoi! Oh, il a peur, il saute dragon évidemment. Ça va de soi, hein, on saute pas sur comme ça impunément dans Street Fighter. On se prend les dragons dans la gueule sinon. Bien joué, hein. Massaline qui est pas passé loin. Là, je le fous dans le coin, tranquille. Ouais, bien sûr. Pour l'instant, on va le gratter. Tranquillement, mais sûrement. Bien joué, le dragon, là. Ah, évidemment, l'entière. À la chope. Putain, la Sami qui va pas loin. Bien joué! Pouah là, il est mouliné! J'aurais dû camper, j'aurais dû pas taper, putain, il aurait bourré le dragon, ça aurait été magnifique.
Et la balle de match. Ah, je peux le tuer ce joueur. Ah, Tatsumaki, bien joué. Voilà, l'overhead gardé. Allez, double dragon. La balayette. Ah, pas déconner quand même, hein. HK entière. Voilà, on peut remonter. On peut remonter. On peut remonter, ma gueule. Non, j'ai pas fait ça. C'est chaud. Il va avoir peur, vous allez voir, il va avoir peur, il va fuir, il va sauter. Il va sauter. Il va sauter. En tout cas, il bourre, hein. Bon, j'ai sauté. Oh, purée, mais c'est pas possible. Ah oh là 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 là. Ryu win. Qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce que c'est que shit, là, mon Ken pourri, là. Allez, Saburo Ishiro, qui m'a mis pour l'instant une défaite dans la gueule. Allez, on va prendre l'américain. Son egg, boum. Et l'ultra 2. Gaël, l'américain de service. L'Amérique contre le Japon. Il va falloir le punir, cette espèce d'haricot là. Ça commence direct, hein, par un Sonic. Sonic, boum. Saute pas sur Guy, hein. Je vais la prendre très rapidement. Voilà. Voilà. Ouais, bien joué ça. Mais arrête de sauter. Voilà, la manchette dans la tronche. Bien. Oh. On se barre comme un traître. Et voilà, c'est bon. Bien sauté. Bien joué. Voilà, bien sûr, évidemment. Le saut de trop. Attention, hein. Faut pas trop faire le con, hein. Parce que Guy, il est très très puissant en anti-air. Sonic, boum. Voilà. Double touche, elle a bourré dragon. Hein. Il a raté le combo. Ah, oh, il a bourré la super. Putain, mais. Ils font que de sauter, les joueurs, là. On va calmer direct. Eh ben, gros point. C'est chaud, là, j'ai plus de vie. Hein. On va gratter un peu la barre de super. Il a fait le ado. Oh, il a sauté dessus. Oh là 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 là. Dommage. Dommage, 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 dommage. Pouah, 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 le mec. Voilà, prends ça. C'est un peu du coup pour coup, là, hein. Sonic Boom! Respecte-moi! Respecte-moi! Je vais te casser le rein! Backbreaker! Eh oui, je l'ai dit, je l'ai fait! Je vais te casser les reins! Et hop là, le Backbreaker qui fuit direct, il n'y a pas de souci. Il y a combien là? Il y a un partout? Il y a un partout! Il y a un partout.
Et il est costaud ce joueur, hein. On va prendre l'anti-Ryu, enfin l'anti-Ryu. Un perso chiant contre Ryu. Et ah, il a pris Fei Long le sagouin, il a changé la counter-pick. Mais ce n'est pas grave. On va jouer un peu avec son foulard. Allez, training stage. Rose versus Fei Long. Ça me fait penser à une finale Starnab contre Luffy. Le chicken win direct. Perd pas de temps lui, hein. Soul Spar, saute pas. Bien joué ça. C'est des chopés quand même, hein. Allez, on va se barrer. Saute pas, saute pas. Évidemment, quand ça rentre, ça fait mal, hein. La balayette aussi. Ouais, ça boue le dragon. Ok. Ok. Mais ça joue. Ça joue un peu nimp, mais ça marche. Le chicken wing peut-être. Sous parc encore. Mais merde. Wow, le truc sale. Ça rentre totalement. C'est les phases légales ça. C'est légal. S'il vous plaît. C'est légal. C'est les phases légales. Le soustron. Oh la chope. Voilà. Le soustron dans le chicken win. Dash avant shop. J'ai fait Luffy. Comme ça qu'on appelle dans le jargon français une Luffy. Voilà, le Soul Spark, la glissade et le spiral. Un peu guaqué ici, Fei Long. Oh, dommage, c'est raté, hein. M'a mis une chope quand même. Le petit porcelet. Voilà. Oh, il a. C'est ça, le mec, quoi. Comment il ose faire ça? Ouais, ça met le dragon, c'est bien joué. Hein. Encore un dragon. Oh, il a récupéré. Décidément, les combos de Fei Long sont toujours assez impressionnants. Voilà, terminé. Bas MP. Le Spiral X. Allez, hop. 2 à 1. Rose win. Allez. Là, on est bien. On va donc exclure. Bah, écoute, il joue bien ce joueur. Hein. Un bon petit joueur sympathique. Allez, donc le prochain, c'est qui? Joviette 777. J'ai l'impression qu'on pourra pas jouer contre tout le monde. Alors que je vais faire un mini tournoi juste après. Pour un peu faire jouer un peu tout le monde, justement. Allez. Joviette. Joviette 777. Allez, je compte jusqu'à 5. 5. 4. 3. 2. 1. Tant pis. Prochain joueur. Joviette, il est où? Ludoche. Allez, Ludoche. On y va. Invitation. Envoyer. Attends, j'ai bien fait au moins d'envoyer l'invitation. Je me trompe pas. FT2. Invitation à un jeu. Voilà, là, c'est envoyé vraiment. Ludoche qui est arrivé. Allez, c'est parti. Comment on fait pour participer au tournoi? Et ben en fait, tu vas dans le mode tournoi de Street Fighter. Et t'auras un lobby qui va être créé. Et ce sera moi, tout simplement. Tu verras, je te montrerai juste avant, Raph. Alors. Faudra trouver la room très rapidement. En général, la room, elle est prise d'assaut par les sauvages. Alors, faut bien être attentif. Allez, Ken versus Ryu. Le match des amis. Ah, évidemment, le Dragon Punch entière. Hein. Ici, tu rigoles pas avec, avec Ryu pour ça. Encore un dragon. Ça bourre dans les links, mais ça marche tellement bien. On va reculer. Ah, Shuriken qui passera pas ici, un peu trop loin. La punition qui n'existe pas. On s'approche. Le bas groupe 1 qui fait entière. Le bas MK à Doken. Avec son vertical high kick. MK, pardon. Là, pour l'instant, on est bien, là. On est bien. On est bien. On est même très, très bien. Le Shuriken. En plus, le foot ultra, je pense, derrière. Hein. Et c'est fini! Dragon Cancel Ultra! Voilà! Et là pour l'instant, évidemment, Ken qui vient de se prendre le Dragon Cancel tout Ultra. La chape ici qui a failli sortir et qui n'est pas sorti. Tapis de souris, il me fait chier le tapis de souris. Je vais le mettre là. Voilà. On fait saut vertical. Un dragon complètement groupé là.
complètement raté les combos de sac. Voilà, bas groupe entière. Balayette. Voilà, Doken, bien joué, mais ça ne servira pas à grand chose. Le Shoryu maintenant. Shoryuken. Attention, oh là là, j'ai de la chance. La super. Qui va complètement rentrer. Ah, j'ai tenté le pif. Hein. Tenter le pif. Attention le pif qui est bien rentré. Attention, hein, pas de bêtises. Mais c'est quoi ce combat? Allez, je vais essayer de farmer un peu une barre de super. Oh le seul! Non mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non mais... Oh c'est bon! Là c'est bon, c'est le... Oh le full... Le full fail! Le full fail! Ça a raté au moins 10 fois. Allez, attention. 1-0. Alors, on va prendre... On va prendre... On va prendre, on va prendre DJ, tiens. DJ Ken. DJ Ken. Allez, let's go. Oh, le temple, hein, bien sûr. Là, direct la chope, on s'en fout. Allez, on va reculer. Voilà, ça met au sol direct. Ça boule dragon, hein. Vous avez vu un peu? C'est très très sale. On saute pas, évidemment. Alors, DJ, je le connais un peu mieux, hein. Ça va pas être la même chanson. Le MP entière. Stand MK. Et c'est fini! Oh putain, l'ultra qui sert à rien, quoi. Le mec, il est mid-screen et ça rentre pas, quoi. On va faire moyen point entier, vous allez voir. Moyen point entier, ça va faire entière. Vous allez voir. Moyen point entière. Allez, fêtez Hadoken. Allez, saute. Petit cochon. Attention, moyen point. Eh ouais, moyen point entière. Voilà. Allez. Il reste plus qu'un round et Monsieur Ludoche va repartir au royaume des morts. Voilà le somat qui a invincible l'eau. Et voilà. C'est chaud. C'est chaud. Le stage peut-être. Oh il a bourré, il a trop bourré. Bourré, c'est pas bon du tout. C'est pas bon pour la santé, hein, comme on dirait l'autre. HK et... C'est terminé! DJ win! La Jamaïque qui remporte son match. Alors, exclure. On en fait un dernier défi. Et après, j'inviterai des joueurs pour les joueurs qu'il y a dans la liste au fur et à mesure pour un tournoi spécial. Alors, rafle Litech. À comment une revanche FT1? Prends un perso moins guac Blanca. Allez, je suis désolé, mec. C'est chacun son tour. On devait ensemble hier. On devait jouer ensemble hier. Ah bon? Je me rappelle plus. Je suis désolé, Adash. Désolé, je me rappelais plus. Hier, j'étais complètement en train de jouer à Dragon Ball Z. Allez, dernier match. Et après, je balancerai, comment dirais-je, un mode tournoi où tous les joueurs qui m'ont demandé une invitation, eh ben, seront les bienvenus. Voilà. Donc... Attention, Adash. Alors, on va prendre qui? On va prendre Gookie, tiens. Gookie contre Guy. Le Gookie sale.
Alors, ce Dragon Ball, c'est une plaisanterie. Alors, Dragon Ball, pour être franc avec vous, j'y ai joué 2 heures et j'ai arrêté. Donc, à mon avis, il va être très rigolo le test jeudi prochain sur Millennium. Bah, demain, en fait. Il va être très marrant. J'ai déjà prévu autre chose, hein, pour info. La boule. Voilà, tu te dégages, toi. Tu te crois où, la fête foraine? Bien joué, beau gosse. Dragon, mec, hein, on sonne pas sur DVD. Hein. Il est malade, ce mec. Attention. Attention. Saute pas. Bien joué. Et oui, Dragon Ball Z, Battle of Z, et ben déjà il y a un premier défaut. Bon, j'en parlerai jeudi, enfin prochainement. En fait, il y a un premier défaut, c'est qu'il n'y a pas de mode training. Ça n'existe pas. Tout simplement. Et donc ça, c'est une énorme blague. Le mode training. Voilà, sauf vous me direz, les combos, c'est point, 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 point. Voilà, c'est ça les combos, évidemment. Donc, partant de cela, ça va être assez facile. Voilà, pour l'instant, on le rush, hein, ce guy. C'est chaud, hein. C'est chaud pour Gaïa pour l'instant. En train de se faire massacrer. Élaborer le dragon. Bien joué, ça. Attention, le coup de l'arnaque. C'est chaud! C'est chaud! Non! J'ai de la chance! Oh, je respecte rien! Je respecte rien! Je respecte absolument rien! Je respecte rien! Allez, 1-0 pour l'instant! On va prendre Cody. Et après, si je gagne ce match, on partira en mode tournoi. Dragon Ball Z, c'est pas un jeu. Je crois que même moi, étant fan, je suis même plus attiré, quoi. Je suis déçu. Je pense qu'ils se foutent de la gueule du monde, mais au sens propre du terme, tout le monde le savait déjà. Hein. Mais je crois que cet épisode-là, c'est le pire de la série. Sans rigoler. Hein. C'est le pire. La pire bouse de la planète. Tu te calmes tout de suite, toi! Tu te calmes tout de suite, hein! Non, 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 non! Non, c'est bon. J'y ai cru, hein. Voilà. Il n'y a pas de problème. Cody, pour l'instant, qui vient de se faire laver la gueule. Voilà, c'est bon, on le repousse. Voilà. Oh putain, ça touche pas, ça. Et merde. Bien joué. Bien défendre, hein. Faut bien défendre, hein. Comment je garde? Je garde et je punis. Oh, pop, 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 pop. Oh, oh, cette arnaque ultime. C'est un arc ultime, un arnaque ultime. Ce truc de fou.
Comment j'ai gagné ce round? C'est incroyable. Il doit être full guac. Et oui, le guac, je me nourris de ce guac. Je me nourris de ce guac. Allez, dash arrière. On va reculer. Il est dans le corner. C'est gratuit. C'est gratuit, mec. C'est gratuit. C'est gratuit, mec. Bien joué, ça. Oh non, j'ai chaud. Oh, n'importe quoi. À choisir entre Senseiya, Dragon Ball Z, Battle of Z et Naruto, je préfère largement Senseiya. Mais c'est à choisir entre le caca, la chiasse et la merde. Voilà. Je préfère encore le caca dur. Mais c'est un peu abusé de dire ça, mais c'est la vérité. Hein. Ce sont vraiment des jeux finis à la pisse, comme dirait Mister MV. Je pense qu'ils prennent vraiment les fans pour des cons. Hein. Mais bon, Dragon Ball, j'y ai joué que 2 heures. Hein. J'ai débloqué un peu pas mal de persos. Mais je ferai un test complet jeudi, donc on verra bien. Hein. En fait, les Naruto sont fun, mais il faut voir un jeu à court et à moyen terme, quoi. Aujourd'hui, les jeux manga, déjà à court terme, tu te fais déjà chier. Donc, c'est même pas la peine de parler de moyen terme. Hein. Ça sert à rien. Allez, hein. HK. Pour l'instant, là. Pour le gratter un peu. Voilà, bien joué. Voilà, dans ce cas, il y a un par-ci par-là. Le HK qui rentre. Ça lagouille un peu. Allez, le HK. MK. On l'a gratté. Bien joué, ça. On se croit qu'il va sortir. Voilà, le réchaud trop tôt. Très bonne portée. Et voilà, crêpe. Allez, balle de match, si je gagne ce match, eh ben on fera un mini tournoi et après on arrêtera ici. Ah, le HK évidemment il a plus backdash. Waouh, c'est quoi ce dragon là? Il est malade celui-là. Il n'y a pas de punition alors tu peux punir. Hein. Bien joué, je pensais qu'il allait passer derrière. Ah, s'il rate ses combos, ça va pas le faire. Hein. C'est chaud. Chape dans le vent. Bien joué. Comment ça gratte ça? C'est un truc de fou. J'y ai cru. Attention à la saving, hein! Il va être guaqué s'il se la prend! Ouais, évidemment, le SMP, j'aurais dû le faire! Ouais, balle de match! Balle de match, évidemment! Il y a un partout! C'est chaud! La gagne doit absolument tout sortir! On va pas trop le presser, hein. On va avancer pour montrer qu'on est là et faire des allers-retours. Voilà, vous voyez, par exemple, ça, c'est un coup inutile. J'aurais jamais dû me le prendre. Faut rester à bonne distance et s'enfuir au fur et à mesure. Et là, pour l'instant, il reprend l'énergie. Le X ici. Ouais, stand gros point qui doit faire ici mouche. Voilà, en fait, voilà.
Voilà, en fait, quand les joueurs me disent que je campe, mais c'est parce que si j'attaque, je me fais toucher. Hein. Faut bien comprendre que la campe, c'est pas systématiquement camper pour camper. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il campe? Non, il campe pas, il attaque. Hein. Il attaque beaucoup. Hein. Voilà, du coup, maintenant, il est en retard à l'énergie. Il va devoir attaquer chacun son tour. Voilà. J'ai trouvé l'ouverture et ça vise de démerder. Voilà. Bon, Skoy. Il n'y a pas de punition sur Pidoskoy, hein. Tu peux pas. Fini! Terminé! Allez, donc on participe. On part maintenant tout de suite, en mode tournoi. Alors c'est facile. Le mode tournoi, c'est comment? Bah, c'est comme ça. Regardez bien. Regardez bien. Oh là, il y a du monde là. Hein. Vous allez ici en mode tournoi, vous faites. Ah bah non, je suis con. Je vais créer une partie avec Léo, toutes les personnes que j'ai eues tout à l'heure. Allez, créneau privé. Privé seulement, participants. Allez. On va faire un tournoi uniquement des gens qui sont qui m'ont envoyé des messages. Allez, Vortex de Merdier. On est à pitié, Lord. Allez, on va déjà affronter inviter le premier joueur. Voilà, c'est fait. Le second, GG de Casu, on y go. Le troisième, GG. Alors, c'est lui. Hop là. Mon pseudo se présente. J'ai pas vu. Mon pseudo se prononce Scar Sienson. Scar Sienson. Moi, je vais t'appeler Scar. Ça ira plus vite. FT2, si on a le temps. On l'a déjà affronté tout à l'heure, mais on va quand même l'envoyer. Ensuite, Malin TP, évidemment, FT2, on va l'éviter à un jeu. Ensuite, d'autres joueurs, Serval, je suis débutant, c'est pas grave, on y va, on s'en fout. C'est la soirée du guac. Ensuite, Pastel 14, je sais pas quoi, je veux passer à la télé, j'ai vu vite fait. Tu viens à la télé. Fuck you. Allez hop, FT2 3, allez hop là, fuck you, on y va. Il y a trop de joueurs, je crois, hein. Il y a trop de joueurs, je crois, mais bon, c'est pas grave. C'est les premiers arrivés, premiers servis. Ah, Pragmatique 02, ça s'est arrêté à toi, je suis désolé. Allez hop, pour la peine, tu seras banni. T'as pas le droit de venir. Dernier tournoi. Ah, Fuku ne peut pas rentrer non plus. Allez. Ah, il en manque un. Ah, attention, doucement. Doucement, doucement, doucement. Il y a un joueur avec une connexion rouge. Serval. Allez, je compte... Ah non, putain, moi, je peux pas prendre des joueurs avec la connexion rouge. Hein. On peut pas les virer, les joueurs. Alors, Serval. J'espère que tu lags pas. Hein. J'espère que c'est un bug. Il y a déjà un joueur qui est barré. Allez, modifier l'ordre. Serval, tu vas... Ah bah, Serval, il est parti. Ah, putain, il y avait deux slots de libre. Mais je peux pas inviter d'autres joueurs. Je suis désolé, ça marche. Je peux rien faire d'autre. Bah tant pis pour vous. Allez, je vais me mettre tout seul. Pour éviter le guac, je vais me mettre ici. Celui-là, je vais me mettre là-haut. C'est moi qui décide, hein, n'est-ce pas? Celui-là, je vais me mettre ici. Voilà. Donc comme ça, on a essayé d'équilibrer au maximum. Celui que je ne connais pas. Voilà, comme ça au moins, je vais me taper Pastèque après. Allez, c'est parti. Il y avait encore deux slots, mais les joueurs se sont barrés, malheureusement. Qualification numéro 1. Allez, c'est parti. Désolé pour les joueurs qui n'ont pas pu rentrer, mais je pouvais pas savoir qu'il allait y avoir des joueurs qui allaient déco. El Fuerte contre Cody, un match-up qu'on voit pas souvent non plus. Enfin non, j'ai envie de dire qu'on voit pas souvent même El Fuerte, tout simplement. C'est le perso qu'on voit quasiment jamais, d'ailleurs. Allez, donc El Fuerte... On va l'appeler Shark, comme les requins. Shark, Jaws. Jaws est dans de la mer. Allez, Fuerte contre Cody, c'est parti. Kizuka. On va l'appeler Kiz. Kiz contre Shark. Allez, ça commence par un splash. Ça refait encore un splash en counter hit. Tortilla qui passera pas. Et ça remet encore un splash. Tortilla qui passera pas parce qu'il y a un backdash. Et hop là, Tortilla, il est passé. La glissade qui passera pas parce qu'il y a un backdash. Tortilla non plus. Ah, il joue tout seul. Hein. Il joue tout seul, mais il bourre. Enchaînement de light, attention le splash, j'en étais sûr. Attention Guacamole, évidemment le dragon X là ici il fait mal. Tortilla s'est évité par un backdash, puni par la tornade EX. Saut gros pied, enfin pied sur place pardon, qui fait un petit saut sur place, enfin
Il fait un petit overhead, on va dire. Allez, la balle de match. Pour El Fuerte, je vous rappelle que c'est un match gagnant. Ça va vite, hein. Il n'y a pas de problème. Allez, enchaînement de light encore une fois. Et le splash, hein, qui passera pas parce qu'il y a encore une fois encore un backdash de la part de Cody. Tortilla, ça passe. Hein, on est pratiquement à 50% de points de vie. Tortilla, ça va rentrer encore une fois. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Le splash qui passera pas malheureusement pour lui. Et heureusement pour Cody. Par contre, là, il rentre maintenant. Maintenant, c'est la glissade. Tant la DX parce que ça a été un peu le désespoir. Il est en train d'embrouiller complètement le cerveau de Cody. Ça va à gauche, à droite. L'enchaînement de light. Le dragon qui passera pas encore une fois. 4 hits combo. 1, 2, 3, 4. Kizuka qui tombe sous le pressing fou furieux d'El Fuerte. El Fuerte win. Rico. Rico. Allez, on passe donc au deuxième match. Alors, je vous rappelle donc que Shark Station est qualifié pour la première demi-finale. Malan TP va être opposé à Ralphin. J'ai pas bien vu son pseudo, Ralphain, je sais pas quoi. Ralph contre Malan. Allez, c'est parti. On a vu du El Fuerte. Qui va-t-on voir maintenant? Attention. On va voir quoi? On va voir quoi? On va voir quoi? On va voir, on va voir, on va voir, on va voir du. Oh, le mec! Du Dan contre Gouken. Alors, le match complètement déséquilibré, hein. C'est complètement pour Gouken. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Allez, Dan contre Gouken, c'est tout de suite. Allez, Dan arrive avec son gros kick contre Ralph. Reflect. Allez, Gouken contre Dan, c'est parti maintenant. Oh, Gouken, ça ne passera évidemment pas la saving sur la garde. Dragon direct, hein, y a pas de problème. Encore un ado. Encore un dragon qui rentre. Et là, ça fait mal, bien sûr. Et il prend très très cher, hein, pour l'instant, Dan. Et puis ça lag beaucoup, hein. Je pense qu'il y a un des deux joueurs qui doit être sur le stream. C'est un peu galère, ça, quand ça mate le stream. Allez, le combo qui rentre. La chop qui va rentrer. Ça aurait pu être la chop arrière. Il aurait mis un combo, il aurait peut-être tué, même. Allez, dive kick, c'est fini. Terminé, dive kick. Allez, gros point. Et le Dragroex. Wouh! Allez, balle de match, du coup. Ah, je vous rappelle que c'est un match gagnant, hein. C'est un match gagnant. Alors que pour l'instant, on a Noah et Chips et je sais pas qui sont en train de jouer à Mario Kart derrière. Les sacoches. Allez, dragon qui rentre. Encore un dragon sur la garde. Eh, par contre, il s'est fait contrer ici. Voilà, Demon Flip, la choc qui va rentrer maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Tatsumaki, évidemment. Ça va foutre dans le corner en plus, s'il vous plaît. Le Hadoken un peu chargé pour bien bloquer la baguette ici. Après le Demon Flip. Encore une fois, le Dafik qui va rentrer. Gros point, Dragon EX et le stun. Dash avance, saving level 3. J'en étais sûr, level 2 même, carrément, balayette. Il aurait peut-être pu le tuer ici avec une saving level 3. Il n'a pas voulu le faire. Hadoken, Dragon qui passera pas. Dragon EX, hein. À mon avis, je pense que ça va bourrer de partout avec Dan. C'est fini. Tac, le gros point. Il a les larmes aux yeux, Dan. On y a tué. Allez, Gouken qui gagne 2-0. On a la première affiche de cette première demi-finale. C'est Gouken contre El Fuerte. Un match-up. Oh là là. Gouken El Fuerte. Ce match qui s'annonce bien dégueulasse. Allez, Pastèque contre moi-même, contre DVD. Voyons voir un peu comment ça va se passer. Pastèque DVD, c'est tout de suite. Ah bah non, pardon, c'est vrai, je suis bête. On est en deuxième demi-finale. Par conséquent, on va d'abord voir Shark, le Fuerte, contre Gouken. Allez, celui qui remporte ce match est qualifié pour la grande finale de ce mini-tournoi pour le fun. Sur Gaming TV, El Fuerte, comme on a dit à l'instant, contre Gouken. Alors, pour être très franc avec vous, je ne sais pas comment noter ce match-up, tellement il y a de choses absurdes. Entre les splats, les tortillas, les Hadoken qui vont pleuvoir, les Tatsumaki, les Chops, les Dragons, les Ultras. Ça sent le match soit qui va être full offensif, ou soit il y en a un qui va morfler au niveau défense. Enfin, je pense que c'est pas une bonne chose que Fuerte reste loin. Il commence directement à attaquer par un second point et encore une fois un splash. Tortilla qui est passé maintenant. La glissade ici. Encore un tortilla, mais c'est. Un splash, pardon, mais c'est gardé. Et il va à gauche, à droite, il n'ose même pas lancer debout, l'elfe. Gouken, il a un peu de mal, un peu peur, pardon, je pense, tellement qu'il est un peu farfelu, ce perso. Et voilà, Tatsumaki X, on voit qu'il est perdu ici, encore une fois. Gouken, il est complètement paumé, même s'il met ici un contre qui est rentré
totalement légalement, hein, puisqu'il a, il a bloqué en bas. Il s'est pris un dragon direct. La boule maintenant, l'Ultra 2 qui est active du côté d'El Fuerte. Mais il met ici un Tortilla. Il avance maintenant, le splash qui passera pas. Dommage, il aura fait de la chape arrière, il a mis l'Ultra derrière, il aura pu gagner. Et il y a Doken maintenant, ça va passer, ça va traverser. Oh, ce gros penchement de light. Le dragon, allez, saving. L'Ultra 2 direct. Et c'est terminé. Boum! El Fuerte Rico, qui est en train pour l'instant de s'occuper du vieux Schnock. Allez, c'est reparti donc pour le second round. S'il remporte ce round, El Fuerte, c'est terminé. Il sera qualifié pour la grande finale. Allez, enchaînement de light. Ça fait 5 hits combo. Hein. Allez, enchaînement de light encore une fois sur la garde. Le splash qui passera pas. Il essaye ici de le choper. Ah, son gros point ou moins MP, je sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, il a bien calmé El Fuerte ici. Il enlève 50% de sa barre. Et c'est parti. Il l'a mis au sol. C'est maintenant le bordel. Et évidemment, bien joué. Hein. Il s'est échappé grâce à un Demon Flippy X. Et là, c'est reparti. Il se refoule dans le coin tout seul. C'est pas une bonne chose pour Gouken. Parce que s'il perd ce round, c'est chaud. C'est fini. Et là, il le sait, Gouken. Hein. Il a pas intérêt à faire le con. Tatsumaki X ici qui est bourré, je pense, dans les links. Pour donner un peu de pour respirer. Mais il se prend ici un Tortilla. L'Ultra qui est activé de deux côtés. Ça va être super tendu la baguette maintenant. Et Tortilla. A papi, à papa. Ça passe derrière. Petit point qui fait counter hit. Il n'y a pas de suite. C'est dommage. Il aurait peut-être pu commenter derrière. Et voilà, on est loin maintenant. Le Radoken qui va faire mouche. Il a sauté. Bah, j'ai magnifique. Il vient de faire l'Ultra. Et c'est fini. C'est terminé. Ultra 2 en anti-cross-up entière de la mort. Et bim. Il l'a tué complètement. Et j'ai bien cru qu'il allait gagner le Gouken. Mais ce cross-up de la mort Ultra 2, j'en ai rien à battre, qui est rentré tout simplement comme dans du beurre, comme on dit. Et voilà, El Fuerte Rico qui se qualifie pour la grande finale de ce tournoi. Il reste donc maintenant Pastèque contre moi. Et à la fin, si je gagne, j'arriverai donc en grande finale contre El Fuerte. Et si je perds, eh ben ce sera Pastèque. Et moi, je vais prendre Honda, hein, j'ai pas de race. Allez, c'est parti, Honda Ultra 1. On va jouer de la manière la plus correcte possible. Et on va donc voir ce qui va se passer. Oh là là, c'est Oni. Les persos à Projo. Attention, ça va être chaud. KO, comme on dit. Training stage, please. Parfait, il est au courant de la règle. Allez, c'est parti, training stage. Pour esquiver un max les lags, allez, 728 pp contre 4335, je pense honnêtement avoir un petit peu l'avantage. On va commencer directement quand même pour voir. Allez, il va sûrement faire une boule ici, il l'a fait directement, il se met dans le coin tout seul, hein, sur vertical high punch, dans le corner, dragon punch directement, il s'en fout un peu, sur vertical high punch, bah low punch toujours, HK qui va rentrer ici, le soin MP, on va le chercher, hein, parce qu'il est complètement perdu défensivement, j'ai l'impression qu'il est vraiment paumé, et du coup voilà, il se refout dans le corner, gros point entier, et le piano input, oh il a bourré l'ultra. On va garder. Dosukoi, il est parti. Mais moi je vais récupérer. C'est un peu le jeu du chat et la souris. Dosukoi ici en plein counter dans le thorax de Gouken. Et ça sent le roussi pour lui. Il va sûrement faire un saut. Peut-être l'ultra qui va rentrer. Non, le coup de cul ici qui va peut-être toucher non plus. C'est un peu le jeu du Tom et Jerry. Ça va bourrer le dragon. Allez. Et le bourrage! Boum! Et balle de match! La balle de match, évidemment, pour mon Honda. Alors, j'ai vu qu'il était extrêmement perdu. Il fait beaucoup de sauts arrière. Allez, on va l'envoyer en arrière. On va l'envoyer dehors. Doskoi! Redoskoi! Le coup de cul! Attention, ça va faire cross-up. Dragon Punch qui touche un hit! Le salopard! Doskoi entière! Redoskoi! On s'en fout, c'est sale! Allez, les coups de cul qui pleuvent! Goûte à mes fesses. Allez hop, ici encore une fois un coup de cul qui fait entière. Recoup de cul. Il y a un dragon là-dedans, mais on en a rien à battre. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire ici, mais il se reprend un coup de cul. Et la super qui passera pas. Peut-être si. Balle au punch piano qui est pas sorti. Le coup de cul encore une fois. Recoup de cul. C'est très très sale ce qui se passe ce soir. Hein. Et Doskoi. Terminé. Allez hop. J'ai mis la main jusqu'au fond, le bras même. Hein. Allez, bah, c'est la finale. Bah, la grande finale, il est 18h47. Je devais rendre l'antenne à 18h50. Nous sommes pile poil pour, pour la fin du stream. La finale étant un match gagnant, c'est le mode tournoi de Street Fighter. C'est le mode à la Zob. C'est-à-dire, en fait, que t'as pas le droit de perdre. Tu dois gagner impérativement en un match. Donc, deux rounds gagnants. Le match classique.
Et juste après, je vous laisserai avec une petite pause. Et après, vous irez tout de suite voir Memory Card. Allez, j'ai pris l'Ultra 2. J'ai pris l'Ultra 2, hein. J'ai vraiment joué l'Ultra 2 pour jouer pour le fun. Si je place l'U2, je rage quitte. Alors, je préviens, si je place l'U2, je rage quitte. Car c'est l'Ultra du guac. L'Ultra qui est facilement esquivable. Allez, c'est le parti. Elle Ferté qui fait de la bouffe avec sa poêle. Et il l'a planqué. Et c'est parti. On va essayer un peu de sceller le jeu aérien. Parce que Ferté, c'est ça. Hein. C'est le jeu aérien. C'est le jeu aérien. Il faut absolument gérer son saut. Allez, soit arrière gros point. Allez, saut vertical high punch. Et le soit arrière gros point. Soit arrière gros point. Saut vertical high punch. On avance. Attention ici. L'espace qui va rentrer maintenant. Là, sa ligne peut-être. Non, recule ici. Saut vertical high punch. Saut arrière gros point. Encore une fois, il faut le casser son jeu aérien. La chope qui va rentrer. Enfin, double saut peut-être ici. Le ballon Pelcano qui passera pas, ça va gratter, il a bourré l'ultra, le petit cochon, il va se prendre le piano input, et le HK derrière, il est très très mal parti ici, Forté, hein. Très 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 mal parti, hein. Il vient de perdre toute sa vie, et en plus il a perdu en même temps son ultra, son arme ultime, le ballon punch, le Dusker qui va passer ici éventuellement, non, HK qui va rentrer sur vertical high punch, soit à gros point, soit à gros point, moyen point, Tortilla qui va rentrer maintenant. Attention à la relevée, le splash qui passe, la saving, non, Tortilla, voilà les mind games de ce petit salopio, encore un Tortilla, il va quand même pas me la faire à l'envers celui-là, la saving, Tortilla encore une fois, il va sûrement balancer la crêpe maintenant, et avec mon koi, bien sûr, je vous l'ai dit, boum, qu'est-ce qu'il y a, le 2 qui est rentré, je vous l'avais dit. Cet ultra qui est impossible à rentrer parce qu'il faut vraiment le mettre après une saving. Allez, le dash call direct, il passera évidemment pas ici. Le coup de cul maintenant qui va rentrer totalement et c'est légal. Allez, le piano X, ça passera pas non plus. Le ballon punch HK ici. Et là, il est dans une merde noire, monsieur El Fuerte. Le sumo EX, Doskoy X qui va rentrer. Gros Doskoy, Doskoy. Ça passera, ça va passer, ça évidemment. Punition. La punition d'El Fuerte. Boum! Il a généré quasiment, hein, quasiment une barre d'ultra pour mon Honda. Le coup de cul ici qui a peut-être rentré. Non, j'ai pas de race. Oh, j'ai de la chance. Hein. Il a eu beaucoup de chance à le forter ici. Ouais, le Tortilla maintenant, encore une fois, qui va rentrer. Il va sûrement commencer à poser pressing à la con. Eh oui, soit RMP, Tortilla. Même pas, c'est le splash. Le ballon punch. Attention ici, il va rebondir sur le mur, je pense. Oui, non, 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 oui, non. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, Tortilla! Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant, le dash arrière? C'est super tendu, un petit jump. J'ai sauté. J'ai complètement sauté. Mais ça n'a pas fonctionné. Balle de match donc, évidemment. Lord DVD contre Sharky LOL, là, je sais pas quoi. Le splash maintenant, le dash arrière. Oh, il qui passera pas, évidemment, en Honda. Il a une dash arrière qui est tellement minable. Que c'est pas facile. Dosco ici. HK qui va rentrer sur vertical high punch. Oh, allez! Bien joué ici. Très très bien joué. Le coup de cul ici qui passera pas. Le ballon punch piano qui est pas sorti. What the fuck? Il aurait pu prendre la super. Ça aurait été tellement bon ici. Et voilà. Maintenant, ça va être le jeu du chat et la souris. Voilà, c'est gardé. C'est un peu du pilou face hein, tout le temps. Le soir RMP. HK qui va rentrer à ultra maintenant, évidemment. Le ballon punch piano input. Et ça va être ici. Ça va jouer. Empty jump. Ouais, Dosco. Attention à pas trop se faire. C'est terminé! Bim et boum! Excellente fin de soirée! Merci à tous! Big up! À bientôt! Pomp pomp!